Pardon, bonsoir à toutes et à tous, 18h. Merci d'être avec nous sur 01 TV, c'est parti pour 01 Live Hebdo et ce petit pas de danse quand même annonce un débriefing de 30 minutes de l'actualité high-tech de la semaine. Bonsoir Jérôme. Salut François, j'appelle pas ça de la danse, mais si tu veux danser, tu es le bienvenu. Oui, comment ça va? François, Apple qui rit et qui a vendu plus d'iPhone 7 que prévu et qui affiche une fois encore des résultats spectaculaires, tandis que Samsung pleure. En tout cas, Samsung ne dévoilera pas à Barcelone le Galaxy S8. On va essayer de comprendre ce qui se passe entre les deux géants du secteur avec Jean-Sébastien Zanqui ce soir. Voilà, autre actu, c'est les lunettes HoloLens de Microsoft. Vous savez, elles sont en vente. Ouh, alors, c'est pas pour tout le monde, hein, parce que ça coûte 3000 euros quand même. Mais avant de casser votre tirelire, voyons à quoi ça peut servir exactement. On a testé la dernière version de ces lunettes HoloLens de réalité augmentée de Microsoft. On va parler de voitures volantes ce soir dans 01 Live. Oh, et oui, regardez ça si c'est pas beau. Et puis également de drones flottants, de trains plus rapides qu'un avion. Voilà à quoi ressembleront les transports du futur. Un futur peut-être pas si lointain que ça, comme va nous l'expliquer Delphine Sabatier dans sa chronique Zoom Actu. Ah, la voiture du futur, ça fait rêver. Et puis côté labo, on va vous faire rêver avec deux smartphones en avant-première. Le premier, c'est le MTT. C'est un smartphone qui a été durci, comme on dit. Je sens qu'on va rêver. Et puis le tout dernier smartphone de Kodak. Et oui, Kodak, c'est pas que des appareils photo, c'est aussi des smartphones. On en parlera tout à l'heure. Ouais, et dans le labo, on parlera également de voitures, François. Ah. Car notre ami David Noguera revient d'un petit voyage privilégié au cours de laquelle il a pu tester le véhicule, tiens-toi bien, qui a à ce jour la meilleure autonomie, 500 km sans recharge. C'est l'Opel Ampera i. Il viendra nous dire ce qu'il en pense. Voilà, et puis bien sûr notre question 01 net orange qu'on va vous proposer tout de suite. Voilà, croyez-vous à la voiture volante? Eh bien oui ou non, dites-nous ce que vous en pensez. Franchement, ça fait quoi? Ça fait 50 ans qu'on en parle de la voiture volante. Oui, mais écoute, là on dirait que ça se précise. Ça se précise un petit peu. Oui, hein. Il y a des choses intéressantes. Écoutez, c'est parti, nous sommes en direct. Le hashtag 01 Live si vous voulez réagir au titre d'actualité qu'on va évoquer ensemble sur Twitter. Hashtag 01 Live, soyez les bienvenus. C'est donc notre ami Jean-Sébastien Zanqui qui est avec nous. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Salut bonsoir Jean-Sébastien. De la rédaction de 01net.com. Évidemment. Bon, alors, on va parler de Samsung et d'Apple. Bon, deux grands mastodontes quand même de la téléphonie mobile. Les deux grands mastodontes de la téléphonie. Ouais. Exactement. Alors, il y en a un qui sourit. C'est ça. Voilà. Et un autre qui sourit un peu moins. Voilà. Exactement. Un peu moins. Celui qui sourit, vous l'avez deviné, c'est Apple, qui malgré en fait un iPhone 7 dont qu'on avait taxé un peu de recyclage, c'est quand même un design qui existe depuis maintenant 2 ans et demi, a cartonné, a complètement cartonné, c'est-à-dire au dernier trimestre de 2016, qui est le trimestre emblématique puisqu'il y a les fêtes de Noël, a vendu 78,3 millions d'exemplaires d'iPhone. Alors c'est tout modèle confondu. Voilà, donc c'est pas que l'iPhone 7. C'est pas que l'iPhone 7. On n'a jamais le détail avec Apple exactement des ventes. Ce qu'il place en fait directement devant Samsung, qui depuis quand même des années était avec le leadership devant, devant Apple. Et Samsung n'a vendu que 77 millions d'exemplaires. Donc c'est bon, ça joue un pas grand chose mois, finalement. Mais symboliquement, quand même, Apple a repris le leadership sur Samsung. Et évidemment, ça s'explique un petit peu par les déboires de Samsung. Et voilà, puisqu'il y a donc eu au milieu le tristement célèbre épisode du Galaxy Note 7. C'est ça, Samsung a fait en fait une saison de fête, donc avec ses cadeaux qu'on fait en fin d'année, avec un smartphone de moins dans sa gamme, il faut dire ce qui est, avec le Note 7 qui n'est pas quand même le moindre, hein, puisque c'est un des smartphones qui se vend très bien chez Samsung et qui a énormément de fans. En plus, c'était un super smartphone. Et en plus, c'était un super smartphone, il faut vraiment dire ce qui est, c'était un excellent smartphone. S'il n'y avait pas eu de problème de batterie, ça aurait été un des meilleurs certainement de l'année. Alors donc, on peut-être en dire un mot très brièvement, mais on a eu le mot de l'histoire. Oui, Samsung a enfin communiqué effectivement les conclusions de son enquête, qui a été très longue, plusieurs fois reporté les conclusions. Donc pour Samsung, c'est vraiment des problèmes de batterie pure et dure, c'est-à-dire que
ils ont eu deux types de batteries différents, puisqu'il y a eu le premier modèle plus le modèle de remplacement. Et sur les deux modèles, des problèmes sont apparus qui faisaient en fait des courts-circuits à cause des électrodes internes qui se touchent. Donc pour eux, ce n'est pas un problème de conception de l'appareil, c'est un problème de conception des batteries. Ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'avait dit un cabinet indépendant qui disait que le téléphone était trop, fin pour contenir la batterie. Donc voilà, qui croire, en tout cas, pour Samsung, le problème est réglé, c'était la batterie, ils ont identifié le problème. Maintenant, ils ont mis en place des batteries de test incroyables sur les, sur les prochains modèles, et ils promettent, bien sûr... Donc ça n'arrivera plus, en principe. Si on fait confiance à Samsung, non, ça n'arrivera plus. Bon, cela dit, je pense que les résultats financiers de Samsung, eux, sont plutôt excellents. Ah oui, Samsung... C'est le paradoxe, hein, c'est que... Ça. Voilà, c'est que Samsung, il faut savoir que Samsung, c'est pas que de la téléphonie, c'est une boîte gigantesque, et d'ailleurs que Samsung Electronics, parce que c'est une d'un conglomérat incroyable. Et effectivement, Samsung Electronics, ils ont continué malgré tout à cartonner sur d'autres produits. Donc c'est de ce côté-là, ça ne les a pas trop impactés, heureusement pour eux. Alors est-ce que on peut, ça ne va pas quand même retarder le lancement du prochain flagship qui est donc le Galaxy S8? Oui, effectivement, le Galaxy S8, on le sait maintenant, il sera pas présenté à Barcelone, au Congrès. Prochain grand événement, voilà. C'est quand, fin février. Tout à fait, le 26 février, ça commence. Depuis maintenant des années, Samsung faisait la présentation de son Galaxy S là-bas. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci, ça sera a priori la Galaxy Tab S3, donc une tablette, voilà, un marché qui est un peu stagnant. Qui flatte, hein, tout à fait. C'est compliqué, les tablettes. Il faut bien occuper le terrain. Et manifestement, donc le S8 sera lancé à partir du mois d'avril, voire un événement fin mars à New York. On parle d'une conférence de presse à New York pour une disponibilité en avril. Effectivement, ça vient certainement du fait que Samsung fait des tests complémentaires sur les batteries et aussi d'un petit retard qui serait dû sur le Snapdragon 835, un des processeurs que Samsung va utiliser dans son S8. Ouais, et puis on sent que voilà, Samsung ne va pas se rater avec ce téléphone. Non. Je pense que l'ingénieur de la batterie, il a dû en démonter quelques dizaines de milliers, je pense. Le département batterie, ça doit chauffer. Hein, ça doit, Samsung. La batterie chauffe, mais pas trop. La bonne nouvelle quand même, c'est que cette semaine, on a testé le Galaxy A5, qui est quand même un des premiers smartphones. Que tu as testé d'ailleurs, la vidéo vous attend sur ZeroNet. Qui est un des premiers smartphones qui sort après le Note 7. Et il faut dire ce qu'il est, il est excellent. C'est un smartphone de milieu de gamme, 430€, et autonomie excellente, puissance sur des processeurs. Enfin, on va dire milieu de gamme, mais en tout cas, excellente puissance. Donc de ce côté-là, en tout cas, c'est un bon signe. Samsung ne s'est pas loupé sur celui-ci. Donc on peut espérer que pour la suite, il y aura quand même de quoi faire. Il y a Caribou qui nous dit sur Twitter, ça va te plaire, François, là, un petit jeu de mots comme tu les aimes. Samsung s'enflamme et Apple est de retour. Voilà, commentaire de Caribou. Caribou, bravo. Très bien, on va voir un petit peu ce qui se trame. On espère que ce Mobile World Congress sera riche en actualité. Après, il y a d'autres acteurs. Voilà, visiblement, il y aura pas mal de choses. Il y aura Nokia qui sera de retour avec un smartphone Android. Nokia, ça, on aura le G6, on aura sans doute le Huawei P10 aussi, qui sera l'un des gros smartphones attendus. Puis il y aura des nouveautés du côté de chez Alcatel, chez Wiko, etc., chez Sony. Chez Sony aussi. Bien évidemment. Donc on aura plein de choses à voir. Raconter et puis à noter que ce Mobile World Congress sera à vivre sur ZeroNet TV avec plein de reportages et des lives bien sûr qu'on vous réserve depuis Barcelone. Très bien. Eh bien, merci Jean-Sébastien. Merci pour cette précision côté smartphone. Qu'on retrouve tout à l'heure Jean-Sébastien, je crois. Hein, tout à fait. Pour parler avec, de Kodak. Smartphone Kodak. Ouais, un smartphone Kodak. Intéressant, vous allez voir. Jean-Sébastien qui a en plus. Ouais, très bien. C'est cette chose là qui est sur ton bureau, sur le bureau. C'est ça là, regardez. Non, on avait dit qu'on montrait pas les produits avant d'en parler. C'est juste pour vous teaser. C'est juste pour regardez, hop là, ça fait un peu 70, c'est étrange. Hop là, Mais garde-en un peu sous le coude pour tout à l'heure. On dit pas plus. Jérôme, cette semaine nous étions chez Microsoft. On est parti comme ça chez Microsoft, hop là. On n'est pas allé loin, non, on n'est pas allé loin parce que c'est juste nos voisins ici. Et pour faire une petite démo d'un produit qu'on avait déjà testé, c'est le fameux masque HoloLens. Le masque de réalité augmentée de Microsoft, dans une nouvelle version, parce que nous, c'est vrai qu'on avait testé la toute première version américaine, qui, il faut bien le dire, était un peu lourde. Pas très confortable. Pas très confortable, etc. Et là, ils se sont bien améliorés avec ce produit. Exactement. Regardez, il est assez compact, assez léger, franchement confortable aussi. On le met très facilement. Alors, l'idée, c'est de bien le caler sur son regard, parce que
eh bien, vous allez en fait avoir les yeux en face de deux petits écrans transparents qui vont vous afficher donc des informations sur le décor que vous avez. C'est-à-dire que vous allez toujours voir ce qui se passe. Hein. C'est ça la force de ce masque HoloLens. On voit à travers. Alors, on a appris des nouveaux gestes. Voilà, on a appris le AirTap. C'est pour ça qu'on a les mains comme ça. On fait petits mouvements avec les doigts. J'ai l'impression ça, c'est un peu le clic de HoloLens. Voilà, ah, le AirTap, le pincement court. Il y a aussi le Bloom. Si on veut fermer une application, on fait comme ça. Ça s'appelle le Bloom. Ça s'appelle le Bloom. D'accord. Ouais, exactement. Ouais. Et puis, il y a des commandes vocales également, etc. Alors, c'est intéressant. Parmi les plus, je pense qu'on peut vraiment noter la définition d'image qui est étonnante. Ouais. Et puis le rafraîchissement excellente. Aussi. C'est-à-dire que c'est très, très, très fluide. Et vous avez l'impression, à un moment, on avait une espèce de planète qui était en face de nous. Là, tu as bien bloomé, là. Voilà, j'ai bien bloomé. Et en fait, cette planète était d'un réalisme incroyable et elle flottait comme ça dans l'air. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que vous pouvez vous balader tout autour et vous tourner autour de la planète. Donc, c'est vraiment un hologramme. Voilà. Ouais, c'est Star Wars. Hein. Là, il n'y a pas à chipoter. C'est vraiment hyper intéressant. Petit point faible quand même. Ouais, on est d'accord sur le petit point faible, hein, Jérôme. C'est le fait que les écrans qui sont collés sur les lunettes sont assez petits, ce qui fait qu'on n'a pas une vision large. Le champ de vision est assez réduit et on n'a pas ce qu'on a dans la vraie vie, qui est la vision périphérique en fait. C'est-à-dire qu'on devine ce qu'il y a sur les côtés. Ben là, pas du tout. Dès qu'on bouge la tête, on va quitter l'image. Ça c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. On a joué à un petit jeu aussi qui était très sympa où on voyait des espèces d'aliens qui sortaient des murs parce que ce qu'il y a d'incroyable aussi avec le HoloLens, c'est qu'il va apprendre votre pièce, il va la scanner, il va savoir qu'il y a des murs, évidemment, de chaque côté, et il va en fait faire sortir de ces murs des petits personnages ou des ennemis, et c'est vrai que c'était assez impressionnant aussi. Tel que tu le racontes, c'est vrai que ça fait envie, mais il faut pas croire que c'est un joujou qu'on va s'acheter demain pour faire des jeux vidéo, etc. Non. Très clairement, c'est pas un produit grand public, HoloLens. Hein. Alors Microsoft, en plus, le cri haut et fort. Ouais, ouais. Pour l'instant, HoloLens, c'est pas pour le grand public. Ça y est, il est commercialisé, donc depuis quelques jours, Tout le monde peut l'acheter. Tout le monde peut l'acheter, mais en fait, c'est pas tout le monde, c'est vraiment, et d'ailleurs, la cible, c'est les entreprises. Mmh. Par exemple, pour les techniciens, là, on nous cite souvent cet exemple du réparateur d'ascenseur qui va aller au moment de la réparation avec son masque HoloLens sur les yeux et il pourra converser avec un technicien à distance qui fera apparaître des flèches sur son écran pour lui dire voilà, c'est là que tu dois bidouiller le truc, brancher le câble, débrancher, etc. C'est vraiment des applications professionnelles. Oui. On a fait une petite démo de Skype aussi. Oui, exactement. C'est étonnante. Oui, donc tu voyais quelqu'un via Skype, c'est ça, et tu pouvais interagir avec lui. La question de Léo sur Twitter avec le hashtag 01live, c'est pas trop gênant quand on porte des lunettes? Eh bien, non. Non, pas du tout. Alors, tous les deux, on porte des lunettes. Et franchement, on a chaussé le masque HoloLens avec les lunettes. Et franchement, on le sentait pas du tout. Et cette magnifique photo de François Sorel en train de tester la réalité augmentée. Des années et des années d'amitié entre Jérôme et moi qui s'affalent comme ça d'un coup. Moi, j'étais en train de virer mon trip, là, vous voyez. Qu'est-ce que tu faisais? Mais non, mais j'étais en haut du Machu Picchu. En haut, mais t'es en bas, là. Non, mais j'étais en haut, du Machu Picchu, et il y avait là, vous voyez, là, comme ma tête est tournée, j'avais en fait une espèce de lunette de vue, et je voulais voir l'intérieur de la lunette de vue, elle était en bas, donc c'est pour ça que j'étais à quatre pattes. On a l'impression que tu regardes un chat, mais c'est pas du tout, c'est une écharpe. Mais pas du tout, c'est mon écharpe en fait. À voir, en plus. Et voilà, et là je suis en haut du Machu Picchu. Voilà, il est en haut du Machu Picchu. Merci Pierre d'avoir trouvé cette image. Ouais, pas merci Pierre d'avoir trouvé cette image, tu le regretteras. Bon, voilà pour HoloLens. En tout cas, c'est vraiment intéressant et ça va sans doute apparaître dans pas mal d'entreprises. Ouais, dernière chose, c'est qu'à mon avis, c'est un potentiel dans le jeu vidéo. Mmh. On le verra sans doute dans quelques années. Et puis, ça tourne sous Windows 10 et il n'y a pas de fil. Mmh. C'est ça qui est génial. C'est que vous avez ce truc-là, vous avez 2h30 d'autonomie. Mmh. Il y a tout à l'intérieur. Vous avez un processeur de la mémoire Windows 10, un Windows 10 qui a été développé spécialement. Donc, le Windows holographique. Voilà, c'est pas du tout avec comme un App Store. Exactement, en fait, tout à fait. Plein d'applis pourront être rendu compatible avec HoloLens. À noter qu'il n'est pas très lourd, c'est plus léger qu'un Oculus, ça fait 579 grammes. Donc encore une fois, c'est un appareil plutôt agréable à porter. Mais pas pour tout de suite, on l'a bien compris. Ouais, il va y avoir, encore un mot, il va y avoir malgré tout des dérivés, hein, des espèces de versions un peu plus allégées, qui seront plus orientées réalité virtuelle que réalité augmentée. Et donc Dell, HP, Asus, Acer et Lenovo vont sortir des casques sous Windows holographique. Oui, parce que voilà, Windows ne veut pas se priver de ce marché naissant de la réalité virtuelle.
Vous l'avez bien compris, hashtag 01live si vous voulez réagir, nous poser des questions. Il est 18h15 et on va retrouver le Zoom Actu tout de suite. Avec Delphine Sabatier qui nous a rejoint. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Directrice des rédactions de 01net.com. C'est bien, c'est un 01live futuriste. Ce soir, oui. On parle de la réalité augmentée de demain et on va parler des transports c'est de demain. On a envie de rêver là en ce moment. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On rêve de plage. Et de voitures volantes. Et on va à la plage en voiture volante. Bien sûr. C'est vrai qu'en janvier, février, on rêve souvent de plage. Ouais. Oui, ouais. C'est vrai. Donc, les voitures volantes, rêve ou réalité, apparemment, ça pourrait bien être pour cette année, Delphine. Ouais, vous ne me croyez pas quand je dis pas ça. Du tout. Tout le monde me prend pour une dingue. Mais il faut dire que ça fait 50 ans qu'on nous promet des voitures volantes. Oui, c'est vrai qu'on y a cru pour l'an 2000, c'est pas arrivé. Alors du coup, on est totalement désespérés. Et pourtant, j'insiste, je réitère, ça va exister. Alors, ce ne sera pas forcément des voitures comme on les connaît aujourd'hui, mais il va y avoir vraiment des nouveaux véhicules personnels, vous allez voir. On en a des preuves. C'est un résumé un petit peu de plein d'articles que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur 01net.com. Oui. Et qui vont vous prouver qu'on est en train de vivre cette petite révolution. Par exemple, on a le PDG d'Airbus qui a très très récemment confirmé lui-même eh bien, qu'il y aurait un prototype de voiture volante qui sera prêt pour des tests avant la fin de l'année. Donc vraiment, c'est incroyable. Hyper proche. Voilà, il avait déjà surpris Tom Ender cet été en nous parlant de son Vaiana, qui est donc une voiture volante. Je crois qu'on voit quelques images là. Dans laquelle on peut jouer au golf. Donc ouais, c'est sympa. Tiens. Voilà, alors ça aura la forme d'un avion-voiture. Il y aura un seul passager a priori qui tiendra dedans. 8 hélices qui seront fixées sur 2 couples d'ailes, donc à l'avant et à l'arrière. Tout sera en pilotage automatique, donc vous pourrez jouer au golf. Effectivement, puisque en fait, vous ne serez pas volante, quoi, obligé de conduire. Ce sera un véhicule totalement électrique aussi, parce que l'idée, c'est que ces voitures qui vont voler au-dessus des villes, il ne faut pas non plus que ça rajoute de la pollution sonore non. Et puis faut pas que ça tombe non plus. Respiratoire. Voilà, donc on est plus finalement dans un taxi automatisé, je dirais, plus qu'une voiture, avec quelque chose qui se pilote tout seul. Même, hein. C'est un peu comme dans le cinquième élément, finalement, parce qu'on s'embarque dans un taxi volant comme ça, donc c'est quand même le futur. Et on nous promet des tests. Donc, d'ici la fin de l'année, Airbus est très sérieux. Ils ont même créé une division pour ça, hein, qui s'appelle la Urban Air Mobility, qui planche vraiment sur tous les véhicules du futur. Et pour le PDG, on va vraiment rentrer dans l'industrialisation du voyage aérien personnel. Yeah. C'est un joli coup pour Airbus, parce que c'est vrai que bon voilà, ils sont très présents sur les transports en commun aérien. Ouais, collectif, mais là, voilà, essayer de trouver peut-être un relais de croissance avec ces véhicules personnels, qui au début coûteront à mon avis un peu cher, c'est plutôt malin. Ils ont même fait un partenariat avec Uber cet été. C'est vrai, ils communiquaient là-dessus. Qui permettait d'avoir un taxi hélicoptère personnel. Oui, à Las Vegas, on pouvait commander un taxi hélicoptère. J'en ai pas trouvé d'ailleurs. Ouais, moi, chaque fois que je voulais en prendre un, j'en avais plus. Et c'est vrai. Voilà, c'est terrible. Alors, pardon. Delphine, il y a d'ailleurs un autre projet de taxi volant, c'est le Seabubble à Paris. Oui, ça on a vu aussi récemment des images, ça va être très mignon, ce sera des petits taxis qui voleront au-dessus de la Seine, c'est un grand projet d'Hidalgo. Là on aura 4 ailes, c'est un peu comme le système des foils sur les bateaux, qui sont immergés et puis s'envolent et permettent d'atteindre des... En fait c'est ça, il y a des hélices qui les propulsent au-dessus de l'eau et ça tient avec ces espèces de pattes là, les foils. Voilà, ça permet d'être au-dessus du niveau de l'eau, de voler au-dessus de l'eau. Et on aura a priori une première démonstration, ce sera une première mondiale même en mars à Paris. C'est génial, ça ira plus vite que les voies sur berge en plus, j'imagine. Surtout quand elles sont fermées. Surtout quand elles sont fermées. Anne, merci. Ouais. Pas faux. C'est un sujet douloureux. Hein. C'est vrai, mais c'est très douloureux. Regardez. Alors, ça c'est des taxis. Oui. Je vous ai promis des voitures volantes. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des projets bien avancés ou pas? Alors, j'ai Pégase, par exemple. Pégase, c'est déjà commercialisé. C'est une invention française. Hein. C'est une start-up, Vélon. Alors, ça ressemble plus, pour ceux qui voient, à un buggy. C'est ce truc-là, Delphine? Oh là là. Mais regarde. D'accord. Ouais, bah, sans moi. Hein. Bah, voilà. Et donc, ça s'envole. C'est un peu comme un ULM. Ça s'envole. Ouais, c'est ça. Ah, ça vole plus. Bon, donc il y a 2 places, on est l'un derrière l'autre. Ça, sur les voies sur berge, ça va être c'est délicat. Vrai qu'on est proche de la voile de parapente. Ouais, hein, c'est un buggy avec un parachute, on a l'impression. C'est quand même commercialisé, donc c'est très concret. On peut atteindre les 100 km/h, les garçons, quand même. Dans l'air. On peut monter à 3000 mètres d'altitude. Il y a 3 heures d'autonomie aussi pour ce véhicule. Et après, vous mourrez. Et il se vend depuis le mois de juin à la modique somme de
100 000 euros. Alors quand pourquoi 100 000 euros? Un parachute et un buggy, 100 000 euros. Vas-y, fais-le. Alors ça pourquoi 100 000? Parce que pour l'instant, c'est plutôt dédié aussi à des usages professionnels. Donc là, c'est les militaires qui l'utilisent pour des opérations spéciales, pour aller sur des terrains qui sont accidentés et pas faciles d'accès en voiture classique. Tout s'explique. Bon. Alors, autre ça, c'est très concret. Delphine, dont vous vouliez nous parler, c'est Aéromobile. Oui. Ah, Aéromobile, ça va vous plaire parce que c'est vraiment la voiture de retour vers le futur. Donc là, vous allez à la station essence, hein, vous faites le plein comme avec votre voiture et puis vous arrivez à l'aéroport et paf, vous sortez vos ailes. Oh, comme dans Fantomas. Et ça devient un avion. Les références, c'était avant les années 60, Fantomas. Alors non, là aussi, les jeunes qui nous regardent. Mais qu'on est 12 ans ou 70 ans, Fantomas, il faut voir ça avec la voiture qui s'envole, la déesse là qui sort ses ailes. Il y a Fantomas, il est énervé, moi, il n'en peut plus. Ce retour vers le futur. Oui, mais c'est pas mal aussi. Ouais, mais chacun ses références. Là, oui. Alors, donc là aussi, je ne vous parle pas d'un truc totalement délirant, parce qu'il y a eu des vrais vols, hein, les images qu'on voit. Il y avait c'est pas du fake. Le pilote vrai, dedans, ça. Et notamment d'ailleurs son concepteur. Il y a même eu un crash en 2015. Ça vous fait rire. Mais non, mais la manière dont ça le dit. Il y a même eu un crash, des éclats de rire. Avec son concepteur qui était à bord et qui s'en est sorti vivant. Pourquoi? C'est pour ça qu'on rigole. Parce qu'il y a un système de parachute qui se déclenche en cas de problème et donc il a pu faire un atterrissage. Ah, mais voilà la voiture de Fantomas. Merci Pierre, bravo, elle est tellement belle. Regardez-moi ça. Magnifique. C'était génial. Ils ont tout prévu. Hein, ouais. Oui, ils sont forts. Bravo. Voilà, donc là, ça c'était en 2015, le crash qui n'a donc fait aucune victime et qui a permis justement de mettre à l'épreuve eh bien, un système de parachutage en cas de problème. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, y a d'autres projets qui sont plus proches là, de l'avion, je dirais, que de la voiture, mais qui changent quand même. Oui, pardon. Non, mais Jérôme s'en fout complètement des relances. Voilà, je vous le dis, je vous raconte ce qui se passe en interne. Il est complètement... C'est vrai. J'ai raté une ou deux relances, parce que je bois les paroles de Delphine. J'ai envie qu'on me raconte une histoire. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il... Alors moi, je vais te parler par exemple de Xplorer. Il joue l'auto ou je ne sais pas quoi. Alors Xplorer, c'est français aussi. On va avoir une démonstration bientôt, sera au Salon du Bourget, là, cette année, avec un décollage-atterrissage qui est un peu proche de ce que fait un oiseau. C'est-à-dire c'est pratiquement à la verticale, on est à l'oblique. Pareil, vous voyez, ce n'est pas un avion collectif. Mais ça, c'est des fausses images, on est d'accord. On peut être à 1, 2 ou un peu plus. C'est des images 3D. Pour l'instant, ce sont des fausses images. On aura une démonstration normalement. Tu fais bien de le préciser. Tout va bien, au Salon du Bourget, cette année. Oh, attendez, c'est génial. Et c'est un projet français. Là aussi, ce sera sans doute d'abord pour des utilisations militaires ou des opérations civiles de secours. On a un projet qui s'appelle Lilium aussi. Ça sera plutôt comme un mini-jet, une sorte d'hélicoptère. Personnel, il est très beau, hein. Je ne sais pas si ce que vous en pensez en termes de design. Et là, c'est l'Agence spatiale européenne qui participe à ce projet. Donc c'est également quelque chose de très sérieux, sera propulsé aussi par un moteur électrique. On attend un premier vol également cette année avec une commercialisation en 2018. Donc je ne vous parle pas de choses totalement délirantes, ça se rechargera même, paraît-il, sur une simple prise de courant. Formidable. Voilà. Formidable. Et bon, je pourrais vous parler de plein d'autres trucs, mais on n'a pas beaucoup de temps. Non. Hein. Bah, on est mais on voit en tout cas qu'il y a pas mal de projets. Hein. Il y a un projet, par exemple, Zero, qui est aussi un projet de véhicule du futur et sur lequel a misé d'ailleurs le patron de Google. Il y a un projet de Terra Fugia, on en a déjà parlé. Ça aussi, c'est une vraie voiture, une berline, 4 places, avec des ailes rétractables. On dirait la voiture de Fantomas, là. Quand on en a besoin, on n'est pas loin. Elle aussi, elle sera en pilotage tout automatique. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retient? C'est qu'on n'aura plus besoin de permis, on aura une voiture électrique, autonome et qui vole. Alors, c'est vrai que ce ne sera pas forcément une voiture, je le reconnais, mais on est vraiment à l'aube d'une petite révolution du véhicule personnel. C'est ça qui est intéressant et qui est très concret aujourd'hui. Il va falloir gérer tous ces véhicules volants. On a les mêmes problématiques avec les drones aujourd'hui. On voit les problèmes que ça passe. Plus personne n'a le droit de s'en servir. Merci Delphine. Merci beaucoup Delphine Sabatier. Mais j'adore les voitures volantes, c'est vraiment top. C'est un truc qui fera toujours fantasmer. Il y a Phil sur Twitter qui nous dit la DeLorean. Mais non, elle n'était pas volante la DeLorean. Non. Elle se déplace dans le temps. Elle décolle. Ah bah bien sûr. Ah, il y a un débat d'experts. Elle roule, elle va vite, elle décolle et elle traverse le volante, l'espace-temps. Pas volante. Oui, mais elle se déplace dans le temps, mais elle ne vole pas. Ah, il me semble qu'elle décolle. Bon. On fera une question. Qu'on se trouve les images. T'es d'accord avec moi? Vous savez quoi? On va aller sur Wikipédia, on va régler le problème très vite. Si on faisait un petit tour vite fait sur la question orange, la voiture volante, vous y croyez ou pas? Oh là, je vois que les votes ont changé. Partagé, je sais pas. Oui, 45%, non à 55%. Enfin, cela dit, c'est assez partagé. Jean-Sébastien a changé d'avis.
Non, pas encore. Moi, j'attends vraiment de voir du concret parce que quand j'étais gamin, dans les années 80, nous promettaient les voitures volantes. Dans c'est vrai, ça fait des années. Donc, très bien, merci beaucoup Delphine. Et vous avez Phil qui dit toujours rayonnante Delphine. Voilà, donc un fan. On enchaîne tout de suite, les amis. Direction le labo 01net. Direction le labo, mais c'est plutôt le labo qui vient à nous. C'est vrai. En la personne de Raphaël Grably. Salut Raphaël. Salut. Et puis Jean-Sébastien Jeanqui qui est toujours là avec nous. On va parler avec lui d'un smartphone Kodak, mais auparavant... Ben on va vous faire rêver encore plus que la voiture volante. Ouh là là, j'ai largement plus que la voiture volante. Je vous présente le téléphone volant. Voilà, alors il peut voler. Alors il peut tomber en fait justement. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il peut tomber, il peut ne pas se casser aussi. Alors on ne l'a pas encore testé, on attend de le tester. Après on testera les chutes un petit peu plus. Ouais. Voilà. Ça s'appelle le MTT Idéal, alors c'est français. Voilà, c'est un smartphone français. C'est toulousain, oui. On n'avait pas des Marseillais déjà il y a 15 jours ? Il me semble. Cross-call. Alors ça c'est un peu dans la même veine, donc ça s'appelle MTT comme mobile tout terrain. C'est, ils font des smartphones comme ça depuis quelques années. On a reçu celui-là, on connaissait pas encore cette marque, on n'a pas encore testé beaucoup d'appareils de chez eux. Alors leur objectif c'est de faire un appareil résistant mais avec un joli design. Alors bon là-dessus. Bon, on va dire voilà. J'aime bien Raphaël. On va pas épiloguer, il est pas énorme. Non mais c'est vrai qu'il est moins massif. C'est difficile d'avoir un avis. Il est pas très beau, il est pas moche non plus, il est complètement neutre. Ouais mais malgré tout il est assez neutre. Mais cela dit il est renforcé donc. Il est renforcé. Alors en fait donc il coûte 300€ juste, donc c'est pas donné non. Non. Écran 5 pouces HD, MediaTek 1,5 GHz. Donc c'est pas non plus la configuration des rêves hein, pour ce prix-là. Pour ce prix-là, en noir renforcé, on a quand même bien mieux au niveau configuration. Alors en fait, il est IP68, donc il peut être immergé dans l'eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 secondes, si mes informations sont bonnes. 30 minutes. Mais en fait, c'était la version d'avant. Ouais. Non, mais en fait, c'est la même certification que le Galaxy S7, par exemple. Oui. Donc, c'est pas le même prix. En fait, simplement, Samsung arrive à faire des smartphones aussi renforcés, entre guillemets, qui peuvent aller sous l'eau, en mettant sans les petits bouts de caoutchouc partout, sur les ports USB, etc. Ouais. Forcément, par contre, c'est des technos qui coûtent beaucoup plus cher. Donc il faut arbitrer entre le prix. Après peut-être et qu'il supporte mieux les chutes que le Galaxy S7. Bah, alors c'est 1m20 d'après le constructeur, c'est 20. Pas énorme non plus. Hein. Personnellement, moi j'ai déjà fait tomber des iPhones ou des Samsung de au moins 1m20 je pense, ils n'ont rien eu. 1m20 il peut te tomber de ta poche mais pas de ton oreille. Quoi, voilà, exactement. Donc c'est pas non plus le truc de guerre. Quoi, hein. C'est renforcé, on va dire que c'est une. Voilà, c'est... Ah, peut-être que c'est difficile pour un ado, pour ces petits constructeurs quand même. Mais exactement, non mais évidemment, on va pas leur jeter la pierre parce que c'est pas. Honnêtement, il enfin, cela pas... dit, tu pourrais jeter une pierre sur le téléphone. Jette le téléphone, tant qu'à faire. Mais bon, moi, 300€, je trouve ça un peu cher. Par exemple, il y a Arcos qui a sorti un smartphone renforcé qui coûte 200€. Mmh. C'était le Arcos 50 Saphir qui était pas mal du tout. Mmh. Alors par contre, qui était assez bourrin aussi au niveau esthétique. Ouais. Mmh. Donc, c'est une sorte d'entre-deux. On va le tester, on va voir au niveau autonomie, puissance qu'il vaut. Bon, au niveau photo aussi, forcément, à mon avis, en photo, ça va pas être terrible. C'est 8 mégapixels, les 2 mégapixels en façade. D'accord. Voilà, faut... Bon, c'est pas la peine d'en parler pendant 2 ans. Si j'ai bien compris, Raphaël. Oula, quand je là. Non, on m'a dit de venir. Alors je suis... Non, mais c'est bien. Mais on a vu... Oui, Raphaël, ça suffit maintenant. Hein. Non, faut partir. On a vu, voilà. C'est pas ça, c'est que... Bon, non, mais tu vois, autant, tu vois, c'est le dernier téléphone. Il y avait tout plein de trucs. Mais là, bon, depuis tout à l'heure, t'es en train de nous dire, bon écoutez, design c'est pas terrible, on le fait tomber, il se pète, il est cher, et finalement 8 mégapixels. Passons à autre chose. Bon, voilà, d'accord. En plus de ça, l'heure tourne. Merci Raph. Eh ben, avec plaisir. Hein. Merci, bon. Merci d'être venu. La prochaine fois, je reviendrai pas. Mais on te jette pas la pierre. Hein. Pour venir à la blague de tout à l'heure. Jean-Sébastien, oui, un Kodak. Kodak fait son entrée dans le... C'est complètement vintage, ce truc. C'est complètement là. Vintage, alors on dirait que c'est un appareil photo, ouais. Kodak. En fait, pas du tout, c'est un smartphone qui suffit de sortir de son étui, qui est donc façon appareil photo à l'ancienne. Et on voit que c'est un smartphone
classique, on va dire, sous Android 6, mais avec ce côté esthétique très, très vintage appareil photo, avec un gros objectif, ouais. Le petit logo Kodak, l'arrière un peu granulé façon ouais. Cuir. Voilà, c'est un peu un coup d'essai pour Kodak. Alors, c'est pas vraiment Kodak en fait. Kodak, c'est une marque maintenant qui utilise, enfin qui licencie sa marque en fait. Et le fabricant de ce téléphone, c'est Bulleit, c'est l'entreprise qui fait en fait les téléphones Caterpillar, pour revenir au téléphone renforcé par exemple. D'accord. Donc ils ont quand même un petit savoir-faire dans le smartphone, mais pour celui-ci, voilà, ils ont voulu soigner, on va dire, notamment évidemment l'application photo, avec une molette qui est façon molette appareil photo, où quand on la tourne, vraiment c'est tactile, mais quand on la tourne, on sent le retour haptique, ah oui, un petit qui donne un peu l'écran de la molette. Et puis des choses intéressantes, il y a en fait intégré dans l'application photo tous les filtres de l'application Snapseed. Alors je sais pas si vous connaissez Snapseed. Pas du tout. C'est l'application de retouche de photo de Google, qui est une excellente application de retouche de photo, vraiment. Et au lieu d'avoir l'application intégrée à côté, c'est-à-dire que là on va avoir vraiment, c'est la première fois que ça existe, hein, tous les filtres Snapseed, les possibilités de retouche, de comment dire, de recadrage, qui sont vraiment très très puissants dans Snapseed, donc intégré directement à l'application. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà, le petit regret c'est que on n'a pas vraiment, comment dire, le rendu d'image Kodak. On aurait pu penser que Kodak aurait mis des rendus de ses anciennes pellicules, vous savez. Voilà, c'est pas vraiment ça. Alors on a ces filtres qui sont un peu équivalents, mais c'est qui pas sont plus passe-partout, quoi. Voilà, qui sont plus passe-partout, plus qu'à ce que on peut rapprocher ça de ce qu'on trouve sur Instagram. Donc la qualité photo est vraiment supérieure à celle d'un smartphone classique. On va voir, on l'a vraiment, on l'a vu aujourd'hui, on l'a pas testé. C'est en tout cas vendu à 500 euros. Ça va être disponible d'ici 2-3 semaines dans tous les grandes enseignes. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Vraiment en photo, ça sera le gros. La grosse question du feu de cet appareil-là. Kodak qui était nul en photo, il vaut mieux que tu retournes chez toi. L'emballage est joli. Là, tu pars en pare chassé comme ça. Hop là. Le design est joli, l'esprit est joli, mais on va voir ce que c'est. Vrai, c'est un peu violent, ils n'ont pas intérêt à se rater là. Hein. Clairement. C'est marrant cette surenchère en termes d'image dans tous les sens du terme. L'image photo, image de marque, il y a Leica sur Huawei, il y a Kodak qui veut. Qui revient en disant c'est du Kodak, donc ça fait de la bonne photo. Enfin, de cela dit, il reste plus rien de Kodak là. Autant Leica, c'est encore Leica, la Kodak c'est non, évidemment, il y a vraiment que la marque, c'est ça a été lessivé par des rachats. Mais la housse, il faut montrer la housse, qu'est-ce que c'est que cette housse? La housse, c'est une housse appareil photo à l'ancienne, de l'époque. Donc on peut la fermer, on peut enlever ça. Magnifique zoom de Jean-David Duarte en direct, mesdames, messieurs. C'est pire que en fait la réalité virtuelle. Si vous vous sentez mal d'un coup, c'est tout à fait normal. Remerciez JD, vous pouvez lui envoyer un petit mail pour le féliciter. Bravo. Belles images d'avant étaient également signées JD. Donc, exactement. Faut pas voir que les mauvaises choses. Merci Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Merci d'être passé avec ce magnifique appareil photo Kodak. Voilà. Alors vous dites c'est terminé. Eh bien non. Quand il n'y en a plus, il y en a encore dans 01 Live. Et David Noguera est notre guest star, les amis. Vous criez son nom, il arrive. Bonsoir. Salut, bonsoir David. Je vous ai trouvé, je veux pas dire, mais je vous ai trouvé petit joueur sur le téléphone incassable qui a même pas franchi le studio. Là. C'est vrai, on n'était pas franchi. Je veux pas jouer le tu étais pas en forme ce soir. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai laissé gérer Raphaël Grabli. Oui, parce qu'il a dit, il y a les tests, il y a des à finir, non, fallait pas. C'était juste un peu provoque. S'il se casse avant qu'on fasse l'autonomie. On en verra d'autres où il va. Mais alors, t'as raison, j'avais très envie de le prendre. Et j'ai pensé comme ça, mais après, je me suis dit non, quand même. C'est bien que tu étais tenté. Non, moi, je suis allé voir quelque chose de beaucoup plus sympa, j'ai envie de dire, parce que c'est ma partie à moi qui. Mais je sais pas, tu sens un peu la Californie, là, David Noguera, je sais pas. Est-ce qu'on peut voir ce qui est derrière un petit allé, la chemise un petit peu comme ça, la cool. Golden Gate. Je suis allé essayer. On vous a parlé de l'Opel Ampera il n'y a pas très longtemps. Il y en a qui font un boulot difficile. Hein. C'était super dur. Ouais, non, mais en même temps, je me suis pris 9 heures de jet lag pour 2 jours sur place, un essai assez dense. Donc non, c'était quand même, on a bossé. Pas être en forme en plus, très non intéressant. Et surtout, c'est vraiment cet essai en avant-première, puisqu'on a eu l'occasion de visiter donc l'usine de fabrication de l'Opel Ampera i à Orion. C'est bien, vous testez une voiture électrique dans les descentes, c'est pratique. Mais l'autonomie. Juste là, c'est San Francisco. Cette rue, elle est super célèbre.
c'est et voilà, je me souviens plus du chemin. Alors c'est Rochelle. On a tous fait des photos, des vidéos dans cette rue. Lombard Street. Et donc voilà, donc il y a effectivement cette petite. Alors David, pour qu'on se repositionne, tu as testé la voiture qui a la plus grosse autonomie du moment. La plus grosse autonomie annoncée effectivement. Alors mis à part les Tesla, qui sont hors catégorie puisque là on est en frontal avec Renault Zoé, Nissan Leaf, BMW i3. Donc à des prix somme toute accessibles. Alors à des prix somme toute accessibles, on les a tannés ces petits gens de chez Opel et pour l'instant ils ne nous donnent pas de prix. Alors, c'est vrai qu'on était à San Francisco, on aurait pu dire que c'était un terrain, on a bien aimé la tester en Europe, mais pour l'instant elle n'est pas encore disponible en Europe et surtout c'était là-bas parce que c'est à Orion et donc du côté de Détroit, Michigan, qu'elle est fabriquée. Donc un premier essai en exclut, toujours pas de prix malheureusement, mais on sait que la Bolt Ivy, qui est sa cousine du côté des États-Unis, oui, est à peu près à 33 000-35 000 $. Du côté de la Norvège, il y a aussi un prix qui a été annoncé aux alentours des 38 000 $ du côté des États-Unis et 33 000 € pour la Norvège. Donc on espère qu'on ne soit pas trop loin de ces tarifs-là, avec encore le doute sur est-ce que ce sera 33-35 avec le bonus écologique en France, puisqu'il y a 6 700 € plus 3 700 €, oui, si on se débarrasse de son vieux diesel. Voilà. C'est ça. Et donc, plus grosse autonomie annoncée, 520 donc, km. 520 km, mais annoncée. Cycle NEDC. Le fameux cycle NEDC qui n'est pas le cycle réaliste, on est d'accord. Exactement, qui est un cycle favorable pour tout le monde, donc pour tous les constructeurs. Donc là où la Leaf actuelle, donc dans sa version 30 kW, pardon, est à 250 km d'autonomie. Là, on est sur une batterie donc, 60 kW. Donc ça veut dire qu'il faut pondérer un peu. Il faut beaucoup pondérer. Donc ils ont officiellement annoncé 7. En fait. Ah oui, carrément. Pas tant que ça, justement. Parce que justement, ils ont donc cette fois-ci validé le cycle WLTP, donc est censé simuler des cycles d'utilisation plus classiques, et 380 km d'autonomie. Mais nous, on a quand même roulé avec. Et en l'occurrence, alors comme on l'a eu sur une journée dans San Francisco, ça monte. Et t'es revenu en France, etc., avec ou pas? Non, c'était un petit peu compliqué. Mais on a mesuré, alors on a fait 170 km et il nous en restait encore 220 dans la batterie. C'est pas mal. Hein. Donc, on est 170 km comment? Vite, sur autoroute, On le voit, il y a eu du relief parce que c'est quand même San Francisco. On a fait un petit peu d'autoroute. Bon, les autoroutes là-bas, c'est 75 miles, donc à peu près 120 km/h. Et surtout, il y a cette électronique qui est finalement qui met en confiance parce que ces estimations sont assez précises. Ce qu'on peut vous dire, c'est que sur le delta qu'on a mesuré là sur ce premier essai, on est à peu près à 10 km de marge par rapport à ce qui est annoncé. Ça peut ça avoir l'air de rien, mais c'est juste énorme. C'est-à-dire que pour les autres véhicules que j'ai pu tester, dès qu'on commence à y aller un petit peu plus franco, on voit vraiment l'autonomie qu'ils font. Alors là aussi, on ne va pas se mentir, elle a l'équivalent de 204 chevaux sous le capot, mais elle a un mode de récupération d'énergie, un peu comme sur la Zoé, qui est très très efficace. C'est-à-dire que quand tu freines... À partir du moment où on relâche le pied, il y a un mode qui s'appelle le mode L, qu'ils ont traduit par le lever de pied. Mm-hmm. Et en fait, à partir du moment où je lève le pied, la voiture entre dans un mode de freinage automatique. Donc, avec évidemment, elle pile pas, hein, mais elle applique un freinage moteur. Ouais. Comme un frein moteur, en fait, comme exactement. Si on était en passant en seconde. Quoi, ce qui fait qu'à partir de certaines vitesses, oui, ce qui fait qu'à partir d'une certaine vitesse, on peut même s'arrêter avec, et finalement, on n'a plus besoin d'utiliser le frein. Et vraiment, on utilise au maximum cette capacité de récupération d'énergie. Et nous, il nous est arrivé dans une phase montante, donc sur des routes sinueuses, de récupérer plus d'énergie qu'on en avait dépensé. Ah oui, en descendant. C'était vraiment donc très très prometteuse cette ampère. Il va falloir qu'on réessaye. Alors à San Francisco, on avait quand même une météo qui était favorable, en tout cas sur l'après-midi, il faisait un peu frais le matin. On a utilisé le chauffage, il faisait plus chaud l'après-midi, on a utilisé la clim. Donc il va falloir peaufiner tout ça parce que le chauffage est un élément très important pour l'autonomie des batteries. Mais voilà, c'est plutôt une très très bonne surprise. Donc plus d'autonomie que la Zoé, hein, visiblement on sera à 380. Priori, oui. Alors, j'ai du coup demandé à la Zoé dans sa nouvelle version qui est actuellement en cours de livraison chez ceux qui l'ont commandé pour pouvoir comparer ça. Voilà. Donc pour se faire une idée, mais un beau dynamisme, un bel électronique, on le voit derrière nous, un écran 10 pouces pour l'écran central, 8 pouces derrière le compteur, Android Auto, CarPlay, de la reconnaissance vocale. Il y a quand même des choses qui vont être vraiment sympas. On peut dire que tu as commandé une Zoé? Bien sûr. Hein, tu viens de le dire de toute façon. Donc, on peut dire que tu bois tous les soirs. Non, on va pas le dire. Mais sans doute l'un des meilleurs choix, hein, vraiment. C'est vrai, David. Oui, on en a parlé. Voilà, tu m'as. Mais voilà, c'est ça. Donc écoutez, on vous racontera. Non, parce qu'il nous en parle tous les jours. Voilà. Oui. J'essaie. Je suis en train de lui préparer. Je saoule tout le monde. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant la démarche de l'électrique parce que c'est quelque chose qui est réfléchi. On ne peut pas acheter une voiture électrique comme ça. Ça nous intéresse beaucoup que tu sois le premier à tester.
raconter. Et ben voilà. Voilà, et je t'appellerai. Tu vas me raconter. Tu vas essuyer les plats. Tu viendras. Viens me chercher. Avec la rallonge. Un enjeu sur l'électrique, mais du côté du constructeur, qui consiste à équiper le territoire. Et j'en reparlerai cette fois-ci aussi sur 01net, puisque j'ai quand même roulé là très brièvement avec une Nissan Leaf qui a quand même moins d'autonomie. Elle est annoncée à 250 km, mais on en fait beaucoup moins, puisqu'en plus il faisait vraiment très très froid. Mais j'en suis quand même à 1100 km sans payer une recharge. Voilà, donc voilà. Ça impose une petite gymnastique que je vais écrire dans mon article. Et bah, tu nous raconteras ça. Avec le Nissan Charge Pass, 320 bornes, on parle souvent des superchargeurs de Tesla. Nissan a aujourd'hui des partenariats avec ses concessions, les magasins Auchan, IKEA, et 320 bornes sur le territoire. Bon, le problème de la Nissan Leaf, c'est qu'elle n'est pas très très jolie, quoi. Ça, mais plus spacieuse et pas désagréable. Elle fait mal aux yeux, hein, quand même. Un peu. Merci beaucoup, David. Notre spécialiste auto-connecté. Alors on a franchement là largement débordé, mais c'était pour la bonne cause. Hein. Oui, c'était pour l'électrique, exactement. C'est pour l'écologie, c'est pour l'environnement. Donc il faut le faire, les amis. Et puis vous avez certainement appris plein de choses. Un dernier petit tour du côté de la question 01net Orange du jour. Croyez-vous à la voiture volante dont nous parlait tout à l'heure Delphine Sabatier? C'est toujours très partagé. Oui à 47%, non 53%. Vous pouvez continuer à voter, bien sûr. En allant vite dans les rues de San Francisco, il y a moins de voler. Il fait des petits bonds. Bolide. Il vole comme une poule un peu. Hein. Bon, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ah, je sais ce qu'il veut nous montrer là, c'est la DeLorean qui vole. Je sais, au début du deuxième épisode, elle vole donc apparemment. Oui. Elle avait cette capacité. Ah oui. Voilà, oh là, ouais, d'accord, ok. On en retrouve des images d'époque, hein, vous avez vu, il y a 3 images par seconde à peu près. Hein, donc, on s'est dit, voilà. Ça, c'est la fin de l'épisode 1. Non je pense qu'on est prêt. C'est le début du 2. On est prêt pour la 4K, j'ai l'impression, hein, quand même. On d'accord. est bon. Okay, bon. En tout cas, bravo les gars, ils ont été hyper actifs, c'était pas prévu dans le déroulé. Bravo à Thomas Rumieri qui réalisait cette émission ce soir. C'est sa première, c'est les sa amis. Sa première. Bon, écoutez, j'ai l'impression que ça va. Il n'y a pas eu. Hein, ça va, ça s'est bien passé. Jusqu'au bout, hein. Voilà, merci à Jean-David, merci à Noémie, merci Jean-David. Aussi à Pierre Thuelin. Exactement. Donc, je vais juste faire un peu plus long. Jean-David pour les très belles images de smartphone et Pierre pour les illustrations en direct live dans ce 01 Live. Voilà, et Noémie Lefebvre-Marais qui, elle, a maîtrisé tout ça, produit tout ça. Orchestré tout cela. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très vite sur 01net TV. Salut à tous. Salut.